Adam Smasher, je me souviens de toi. T'as juré de tuer Silverhead un jour. Le gars que tu viens de tuer, c'était un homme bien. Il savait très bien ce qu'il risquait. Saul en avait pas envie, mais il m'a suivi jusqu'ici. Il a fait le sacrifice ultime, pour un ami, pour sa famille. C'est un truc que tu comprendras jamais. Allons-nous-en donc, toi et moi, lorsque le soir est étendu contre le ciel, comme un patient anesthésié sur une table. Allons par telle rue que je sais, mi-déserte, chuchotant de retraite, pour les nuits sans sommeil, dans les hôtels de passe et les bistrots à coquilles d'huîtres jonchés de sueur. Ces rues qui poursuivent, dirait-on, quelques disputes interminables, avec l'insidieux propos de te mener vers une question bouleversante. Oh, ne demande pas laquelle. Allons plutôt faire notre visite. C'est un marché. Je vais vivre, putain. J'avoue, t'as mis en place un plan qui te défonce.
Tu m'as bien pourri la vie, Johnny. Mais je dois reconnaître une chose. Jour après jour, avec toi à mes côtés, j'ai appris à franchir les obstacles. Plus rien peut m'arrêter maintenant. Je le sens. Ah ouais? Vraiment? Ça veut dire que t'as pris ta décision pour nous? Je peux parler à Alt avant. Elle est où, cette grognasse? T'as pas encore pigé. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Alt nous a déjà séparés. Quand tu t'es connecté à Mikoshi, elle t'a allumé avec le tueur d'âmes. On peut dire que ta femme plaisante pas. Je ne suis pas sa copine. Dommage. Johnny aurait eu besoin de quelqu'un comme toi à ses côtés. Dit-il, alors qu'il n'est qu'un autre construct dans la prison d'Arasaka. Quoi? Tu veux dire que je suis un engramme? Ah, comme moi. T'as d'autres blagues à faire? Alors ça y est. C'est vraiment fini. T'as tenu parole. Il y a tout de même un aspect que j'ai oublié de prendre en compte. Alt. Quoi? Le corps en tant que facteur clé dans cette opération. La reconfiguration de l'ADN par la relique est trop avancée. Si on ajoute à ça la médication agressive et invasive, le fait que le système immunitaire du corps attaque ses propres neurones... Oh, allez, putain, accouche, tu veux? Quand j'aurai transféré ton construct dans ton corps, tu mourras. C'est inévitable. Et imminent. T'avais prévu ça depuis le début, pas vrai? T'as jamais eu l'intention de me laisser vivre? Tu déconnes, j'espère. Et toi, sale enfoiré de traître! T'es resté là à profiter du spectacle en te marrant, jusqu'à ce que je comprenne enfin que tu m'avais baissé la gueule depuis le début! Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Alt, question. Mon corps va rejeter le construct de Johnny? Non. Ils sont compatibles. C'est son corps. Ça suffit, Alt. Faut que je parle avec. J'y crois pas. Après tout ce qu'on a fait... Tout ça... Pour rien. J'en ai plein le cul de ces conneries. De tout. Surtout de toi. Parfait. Parce qu'on s'en tient au plan. Du coup, je vais je sais pas où avec Alt. Et toi, tu gardes ton corps. Et où est-ce qu'elle va t'emmener? Derrière le mur noir. Pour faire partie d'elle. Même si je sais pas ce que ça veut dire. Y a vraiment pas d'autre solution? Comme je l'ai dit, Johnny peut garder ton corps, rester ici, pendant que tu viens avec moi. Je pensais plutôt à... une fin plus heureuse. Pour tout le monde. Ici, pour des gens comme nous. Ah, tu t'es trompé de ville, et de personne. Mais tu as gagné le droit de décider à force de volonté et de persévérance. Réponds même aux profondeurs du cyberespace. En le franchissant, tu couperas définitivement tout lien avec ton corps. Le chemin vers ton corps passe par ce puits mortel. Johnny. Changement de plan. J'y vais. Toi, tu restes. T'essayes encore d'ignorer le problème. Et c'est fini? Tu jettes l'éponge, tu te laisses crever? Arrête, s'il te plaît. Tu couches plutôt que de te battre pour ce qui t'appartient? Tu préfères te sacrifier parce que t'as peur de me tuer? C'est mon choix. Alors fous-moi la paix.
T'es loyal, je te l'accorde. Mais putain, qu'est-ce que t'es con. Ça a pas changé, hein, depuis qu'on s'est rencontrés. Je suis fatigué, Johnny. Je vais recommencer un jour. J'ai peur. J'ignore ce qui m'attend. J'ai peur pour toi. Et ça te fera pas de mal non plus. Un de ces quatre, Johnny. Faut reconnaître, c'est pas mal comme changement. Je dois aussi préparer mes affaires. Et surtout, je dois arrêter de te parler, V. J'ai un peu de temps. Je devrais pouvoir passer te faire une petite visite. C'est pas grand-chose, mais c'est bien comme ça. Il va me falloir une caisse. Steve. Il faut que j'aille voir Steve. Richard Knight, j'ai bâti cette putain de ville. Alors ouvre. Salut. Salut, mec.
Quoi de neuf, Choum? J'ai le nouvel album de Curse These Metal Hands. J'ai besoin d'une caisse et d'un bon chauffeur pour la journée. J'ai deux, trois trucs à régler en ville. Pas de soucis, je vais t'emmener. Ma mère flippe à chaque fois que je sors sans la prévenir. Mais bon, elle entend pas vraiment quand j'essaie de lui dire. T'es prêt? Dis, quand je joue beaucoup, ça me fait mal aux doigts. Je fais quoi pour éviter ça? Rien. Les cordes en métal te rentrent dans les doigts, et ça fait mal. Y a rien à faire. Hein? T'en fais pas. Si tu joues assez, ça te fera des cales. Et tu pourras enchaîner les notes. Je sais pas ce que tu fous, petit branleur. Faut travailler. Je sors. Tu vas où? Juste faire un tour. Je reviens vite. Tu rentres tout de suite! Pas question que t'ailles faire le con! C'est compris? Putain! Tu m'as encore piqué mes clés? Rentre! Fous-lui la paix, et lui parle pas sur ce ton. Va te faire enculer, toi! Tu crois que tu me fais peur? T'es qu'un déchet, comme nous tous. Tu veux tenter ta chance? Vas-y. J'ai pas le temps pour ces conneries. Ah putain, c'est qui, ça? Va savoir. Un clodo, je dirais. Ils ont tous la même gueule. Oh putain, il flippait tellement sa race que tu le massacres. Les enculés de corbeaux, ouais, ils veulent toujours qu'on chie dessus non en permanence. Tu rigoles? Bon, Steve s'est mis à des fois, et je voudrais qu'il soit mort. Allez, monte. Tu ferais mieux de le corriger, le gamin. Je voudrais lui péter la gueule moi-même. Être fort comme toi. Tu le seras un jour. Mais j'espère que tu comprendras qu'il vaut pas la peine de t'esquinter les poings sur lui. Pourquoi? Parce que tu réaliseras à quel point il est faible, et ça te fera mal. Où est-ce qu'on va? Time Machine. Super! J'ai vu Kerry Urodine là-bas un jour. Quoi, t'es un fan? De la légende? Un peu, ouais. Pourquoi? Pas toi? Kerry est pas mal. Il parlait de lui à la radio. Il disait que Kerry sert de la mort de Silverhand, qu'il profite de sa gloire. Bah, c'est des vautours dans les médias. Ils sont tous aussi cons. Surtout ceux qui parlent de musique. Kerry est un sacré bon musicien. C'est tout ce qui compte. Il assure depuis toujours et à tous les niveaux. Ouah, on croirait presque que tu le connais. Parce que c'est le cas. Moi aussi, je serai musicien un jour. Commence à composer des chansons alors. À force, tu deviendras bon. C'est toujours comme ça. Plus vite tu t'y mets, mieux c'est. J'ai déjà quelques mélodies dans ma tête. Nickel. Mais j'ai du mal avec les paroles. Quand je trouve un truc, j'ai l'impression que ça a déjà été fait, ou que ça a l'air débile. En fait, je sais pas trop sur quoi écrire. Parle de ce que tu connais. C'est la règle d'or pour écrire des paroles, ou écrire en général. Mais je connais presque rien, à part peut-être notre immeuble. Primo, arrête de dire des conneries. Et le deuxio, la vie dans une tour, ça a du potentiel. Et tertio? Il y a toujours un tertio, normalement. T'es jeune. Sois patient. Les idées, elles viendront. La vie va te bousculer. Peut-être même te séduire. La musique viendra à toi. Et voilà, on y est. Nickel. Tu m'attends une minute? Non, je viens. Je vais regarder ce qu'ils ont de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
sûrement rien de nouveau, mais on verra. Il paraît que Kerry Uroda y passe ici de temps en temps. C'est la meilleure boutique de musique de Night City. Tout le monde passe ici un jour ou l'autre. Vous devinez l'autre raison? Aucune idée, mais je sens que je vais pas tarder à le savoir. Je n'espionne pas les clients. Je garde pas de registre. Et je sais tenir ma langue. Alors, que puis-je faire pour vous? Je cherche une guitare électrique. Eh bien, je vous laisse regarder. Je veux un bon modèle qui sonne bien. Et celle-là, elle sonne pas bien. Tu pues, fast-food! Je veux pas vous vexer, mais je cherche un vrai instrument. Et je suis prêt à mettre les étiquettes. Ah, fallait le dire. Venez, on va passer derrière. Ah, je viens aussi. Ouais, ça sera instructif pour toi. Qu'en dites-vous? De droite c'est à gauche, dément. Nous avons les dernières Chromatics et Anderson. Au fond, les guitares vintage. Je voudrais essayer celle-là. Je vous en prie. Bon, je vous laisse jouer seul. Autrement, ces sauvages devant vont dévaliser la moitié de la boutique. Jamais entendu personne jouer du Silver End comme ça. Tu sais, j'ai lu qu'il a jamais pris de cours. Il a tout appris tout seul, le Tume. Il a créé son propre style. Mais comment tu fais? T'as exactement le même son. T'as une bonne oreille, petit. Personne peut imiter le style de Silver End. Mais toi, si. Je viens de l'entendre. Visiblement, j'ai un peu de lui en moi. Voire beaucoup. Et qui sait, c'est peut-être moi, Johnny. Hein? Mais comment ça se pourrait? Johnny, il aurait genre 10 000 ans, et toi, t'es bien trop jeune. Tu sais, c'est qu'un corps. Les choses ont tourné comme ça, c'est tout. Au final, je suis qui je suis. Ouais, c'est ça. T'es encore plus psychophane que moi, Tchoum. En attendant, tu m'as pas dit comment tu fais. Pense pas à ça, tu dois juste trouver ton propre style. Le seul moyen pour ça, c'est la pratique. Et le talent? Du talent, t'en as. Sérieux? Tu le penses vraiment? J'ai arrêté de dire des choses si je pense qu'elles sont pas vraies. J'ai arrêté. C'est le plus beau jour de ma vie. Putain, j'ai les mains qui tremblent. Les rockers, c'est des rebelles. Ils disent toujours ce qu'ils pensent. J'ai essayé avec mon père une fois. Ça s'est pas bien passé. Avec le temps, tu comprendras qui tu es vraiment et ce que tu attends du monde. Je comprends pas, là. Tu veux être un vrai rebelle? Alors sois d'abord toi-même. Sois authentique. On ne naît pas rebelle, on le devient. On le devient à force de recevoir des coups. Ceux que la vie nous donne. Tu sais, t'es bizarre, mais je t'aime bien quand même. Allez, on paye, et on s'arrache.
Je prends celle-là. Excellent choix. Contente de voir qu'elle sera entre de bonnes mains. Vous désirez autre chose? Non, merci. Voilà, tenez. Au revoir. Allez, on s'arrache. Il me reste encore des choses à régler. Ça marche. Je crois pas qu'on ait été présenté. Allez, en route. Ouais, ok. On va où? On va au cimetière. C'est parti. Mon père dit qu'il va y avoir une nouvelle guerre entre les corpos. Il dit qu'elle serait à deux doigts de se sauter à la gorge. C'est vrai, tu crois? Il va y avoir une autre guerre? Tu demandes pas à la bonne personne. C'est pas un sujet qui m'intéresse. Je m'en cogne, à vrai dire. Tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai compris que c'était futile. J'ai un pote qui vit dans le quartier. Où ça? Tu verras pas d'ici. Oublie. Et c'est un bon ami à toi? Il m'a invité chez lui, une fois. Sa mère a préparé à manger. Et après, on est allé traîner sur le pont. J'aime bien conduire par ici. C'est sympa. C'est vrai, t'as raison. C'est sympa comme coin. T'étais jamais venu par ici? Si, si. Mais j'avais jamais remarqué. J'ai jamais eu le temps de me poser, d'observer. La ville m'a glissé entre les doigts. Elle allait trop vite. Elle m'est passée sous les pieds, au-dessus de la tête, sans même que je réalise. Tu vas écrire une chanson là-dessus? Peut-être. Beau. Il te va bien en plus. C'est pas vraiment le mien. Et à qui alors? À un gars que j'ai connu. Un vrai barjot. Et maintenant je suis là, à sa place. Il est mort? Ouais, ce bout de plomb l'a tué. Et tu vas en faire quoi alors? Le laisser là où il devrait être. Je peux venir avec toi? Non, attends ici, ok? J'en ai pas pour longtemps. Ok. Je connais personne d'autre qui aurait eu le cran de faire ce que t'as fait. Personne. Merci pour... Bah, pour tout, quoi. J'ai mûri aujourd'hui. Et je compte pas gâcher ma nouvelle vie. Alors, je te dis adieu. Ça va pas la tête?
va où maintenant? Hé, c'est quoi ça? T'en veux une? J'ai arrêté ces conneries, et tu devrais faire pareil. Ça flingue ton corps, et ça flingue ton âme. On va où maintenant? Moi? Nulle part. Mais tu devrais rentrer chez toi, Steve. Merci. La personne à qui t'as... rendu visite, ça fait longtemps qu'il est mort? Non, ça fait pas très longtemps. Il te manque? Un peu, ouais. Quand mon grand-père est mort, je pensais à lui tout le temps. Mais maintenant, c'est juste de temps en temps. C'était pas un oubli. J'ai absolument rien oublié. Et je me souviendrai toujours. Salut V. Je sais que t'es un électron libre et que tu ne rends compte à personne, mais tu pourrais au moins me dire si t'es en vie, tu crois pas?